6 religieuses, 3 prêtres. Alors l'année prochaine, il va falloir vous montrer que... Mais combien que vous... Alors, les SDV-nous, c'est une belle tradition provençale. Pour le 26 décembre, le lendemain de Noël, pour la fête de Saint-Étienne, désormais, vous êtes bien au-dessus de tout cela, que de bénir des petites figurines en sablé. Souvent, c'est à forme humaine. Ce n'est pas le seul endroit de France où cela se fait, c'est une tradition qui existe ailleurs aussi. Des petits sablés que les parrains, les marraines, viennent faire bénir à cette messe pour ensuite les donner à leur filleul pendant le temps de Noël. C'est un beau signe d'une petite attention, comme ça, des parrains et marraines à l'attention de ceux dont ils ont pris la responsabilité de les aider dans leur vie chrétienne. Et oui, ce n'est pas juste un honneur de parrain et marraine. C'est une responsabilité que les parents ont. Alors, à travers la bénédiction de ces événements, évidemment, on va bénir seulement les biscuits. Ce sont les personnes qui sont bénies, toujours. Et ce sont les parents et les marraines qui sont bénis comme confirmés dans leur mission de devoir parrainer, accompagner dans la vie chrétienne leur filleul. Et puis, à travers les parents et les marraines, eh bien, ce sont aussi les filles qui sont bénis. Bénir, vous le savez, ça veut dire dire du bien. Le premier qui dit du bien, c'est le Christ. Ce petit qui n'a pas encore la parole, eh bien, il dit qu'il pense et qu'il du bien pour chacun de nous. C'est ça. Alors, tout est rapporté. Alors, estimez-nous. Pourquoi? Parce que Étienne, ou Stéphane, Étienne, en provençal, ça se dit Esther. Esther. Saint-Esther. Saint-Étienne, Saint-Esther. Donc, l'Espérénum, c'est un diminutif affectueux en provençal, c'est un petit Étienne. Petit Étienne. Alors, nous allons les bénir, tous ceux qui en ont apporté. Approchez-vous. Oh là là. Il y a beaucoup de filles. Ah, voilà. Alors, tu voulais bénir? Il y a le vin chaud, le chocolat chaud, quelques desserts qui ont été apportés par ceux qui ont bien voulu en apporter. On partagera ce qu'on a apporté. Non, c'est pour... Il faut les garder. C'est pour ma fille. Oui, tu les gardes. Oui. L'année prochaine, si vous êtes de femme, on pourra même les bénir en cours avec ça. Oui. Seigneur, par l'intercession de Saint-Étienne fêté aujourd'hui, nous te prions de bénir ces estévénus, ceux qui les ont compris, ceux qui vont les offrir à des filleuls et les filleuls qui vont les recevoir. Qu'ils soient pour chacun un signe et un rappel constant de ta présence au milieu d'eux. Toi qui t'es fait petit enfant, pour donner ta vie un jour sur la croix et nous demander d'être tes témoins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Quand son amour a fini, Dieu a donné son Fils au monde pour dissiper les ténèbres. Par le mystère de la nativité du Christ, il a fait resplendir ce jour béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Amen. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de sa bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Qu'il vous donne sa paix, qu'il vous tienne dans sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Amen. Que le Père Tout-Puissant vous bénisse, et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
parents.